Pourquoi vous avez fait ça? Elle ne doit pas devenir comme vous. Emmenez la fille. Fusez. Je ne veux plus faire ça. Oui. Hôtel Terminus, chambre 899. Ok, donc j'ai posé des questions autour de moi. La seule réponse que j'ai eue, c'est un nom. Lex Dexter. Un industriel spécialisé dans l'armement qui semble avoir un intérêt particulier pour la fille. Il a investi les derniers étages de l'hôtel Terminus avec ses hommes. Inutile de te dire que l'endroit est bien gardé. Mais c'est pas ce qui pourrait arrêter un homme avec autant de talent et de ressources que toi. Je me trompe? Allez, bonne chasse. Allez, salut tout le monde, c'est Ximin HD. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Hitman Absolution. Donc... Ok, donc il y a plusieurs entrées. Donc j'ai déjà commencé un peu ce niveau-là. Donc je vais pas vous le cacher. Donc je sais qu'on peut rentrer par les égouts et par l'intérieur. Donc j'ai juste cherché l'entrée. Parce que la dernière fois, j'étais rentré par les égouts et par l'intérieur. Et j'ai préféré l'intérieur parce que c'était moins chiant pour la suite. Donc voilà. Alors hop, je vais ici. Et c'est parti. Donc vous avez aussi remarqué que cette vidéo est arrivée jeudi. Donc pourquoi? Donc c'est parce que j'avais fait un mauvais rendu et je l'ai changé. Et ben voilà, c'est pour ça que cette vidéo est arrivée en retard. Donc, hop, je vole la radio. Donc là vous avez vu aussi qu'il me reste plus que cette arme là parce que l'autre m'avait pris mes armes en échange d'infos. Donc on va se lâcher. Et voilà. Donc aussi vous avez sûrement remarqué que j'avais fait une vidéo sur Black Ops 2. Et on va se cacher. Donc vous avez sûrement remarqué que j'ai fait une vidéo sur Black Ops 2. Merde. Voilà. D'où tu sors, toi? Oups. Bon, c'est pas grave. Donc de toute façon, je recommence à chaque fois les missions. Chaque fois que je fais des épisodes, je recommence à chaque fois les missions, donc c'est pas très grave. Donc oui, vous avez sûrement remarqué que j'ai fait une vidéo sur Black Ops 2. Et dans cette vidéo, j'avais dit que j'allais faire un nouveau let's play sur un jeu. Donc, je vais en faire un sur Minecraft. Parce qu'on s'est mis d'accord et puis on fait un Minecraft. Donc on a déjà commencé les épisodes, je crois qu'on est rendu au 7ème. Donc la série va sûrement se faire entièrement pendant les vacances. Et après je les mettrai et seront déjà tournés, on connaîtra déjà la suite. Donc là, je vais me couper mon son parce qu'il y a encore une petite cinématique. Les gars que t'as croisés vont bientôt boucler le 7ème étage. Tu sais, Lex Dexter, il est maître peinard. Ce sera donc pas facile d'entrer dans la chambre 899 discrètement. Et pour rien arranger, il a un garde du corps vraiment coriace. Qui aime pas du tout, mais alors pas du tout les intrus. Je serais pas con de t'arrêter quelques étages plus bas et de chercher un point d'accès plus subtil. Mais bon, pourquoi je me fatigue, hein? Un pro comme toi, t'as sûrement un plan en tête, non? Allez, fonce!
Donc ok, la suite je la connais pas. Donc oui, j'ai fait un let's play sur Minecraft avec mon pote. Et donc vous allez, je vais tout faire pendant les vacances j'imagine. Et donc vous l'aurez après sûrement le vendredi. Hop. Donc pour cette semaine, il n'y a pas de changement, il n'y a plus de changement. Attendez. Je sais pas du tout, faut que j'aille. Alors l'endroit. Faut que j'aille là-bas. Si je chante là-dedans, je vais me faire voir. Je vais partir un peu par là-bas. C'est bon, non, il y a eux. Je sais pas du tout vers où je vais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok, un bord de fenêtre. Je vais escalader, je sais pas ce qu'il peut avoir. Donc je vais aller par là-bas parce que c'était là-bas qu'il y avait les fenêtres. J'imagine qu'il faut que j'aille là-bas. Donc voilà, vous allez avoir que ça pendant la semaine. Après bah merde, j'ai pas dû rentrer. Pff, carte d'accès. Okay, je sais pas à quoi ça va servir. Que je sais que j'ai failli me faire choper. Changer d'abri. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une radio, j'en ai déjà une. Et voilà, donc on s'en fout de ce qu'il y a ici. Donc je vais ressortir. Sans me faire choper si possible. Hop, escalader. Donc changer de côté de fenêtre, voilà ce que je voulais faire. Donc, en tout cas, maintenant j'ai une clé d'accès. Ça peut être bien. Celui-ci. On peut pas aller là-bas avec ça, plus il y avait un point. Ouais, on va voir si on peut pas y accéder parce que ce serait pas mal. Et donc la semaine prochaine, ce que vous aurez en changement, c'est Resident Evil le jeudi. Parce qu'au départ, je crois que je la ferai cette semaine-là, Resident Evil, et puis non, j'y réfléchis. Donc autant pas tout faire cette semaine-là et puis garder un peu de jeu. Pour jeudi prochain. On sait que ça pourrait être mieux de tout faire en bloc cette semaine. Je garde un peu de plaisir pour la semaine d'après. Voilà pour les changements sur la chaîne. Ok, c'est quoi ici? Saboter le haut-parleur. Ok, pourquoi pas. Rebord. Rebord de quoi? Quoi si j'appuie sur A? Ah ok, c'est quoi ça? Je crois pas que c'est ça que j'aurais dû faire, de toute façon le rebord ça doit pas être ça. Je vais regarder où on arrive. Ok, on arrive dans la même chambre que là-bas. Quand on est passé à la fenêtre, ok. En tout cas vous aurez deux passages pour aller dans cette chambre. Et prudent, tiens. Je sais pas du tout où c'est. En tout cas, ça va être un alcoolique avec toutes les bouteilles. Donc, hop, sortir. Donc là, oui, je sais pas ça fait quoi quand on sabote ça. Je vais re-saboter. Ok, donc il y avait ça, je suis rentré dedans. Fallait pas que je rentre dedans. Je trouve que ça change rien quand on sabote ça. S'il y a un mec qui sort. Se tourner pour pas qu'il nous repère. Bon, on va rentrer dans sa chambre, tiens, je sais pas si ça peut être intéressant. Intrusion, oui. C'est pas grave. J'imagine qu'on peut sortir par la fenêtre, oui. Et j'imagine qu'on peut aller de ce côté-là. Nickel, c'est ce que je voulais faire. Donc je sais pas à quoi sert la carte d'accès par contre. En tout cas, je m'en doutais qu'on pourrait passer par là. Parce qu'avec ça, on aurait pu rentrer discrètement. Parce qu'il faut savoir que ce jeu, faut être discret. Hop, ah. Donc là, je vais essayer de pas rentrer ici.
Si, quoique, il y a peut-être personne. Il y a un mec là-bas. Ok, là, il est parti. C'est caché. Donc là, je sais pas du tout, faut que je vais faire quoi. Je vais regarder. Hop, faut que j'aille là-bas. Ok, faut que j'aille là-bas. Donc, le mec est là-bas. Il y a un mec qui a failli me repérer là-bas. J'ai de la zone d'instinct. J'ai un peu d'instinct. Donc je vais juste attendre. Alors, peut-être que le mec va au piano. Donc, je vais essayer d'y aller comme ça. En me cachant. Hop. Projeter. Merde. Non. Non, je peux te faire un massacre, non. Bon, je vais, hop, le tuer lui. Et tuer lui. Ah, oh, j'aurais pas envie de tuer tout le monde, moi, ça fait chier, ça. Bon, je vais me cacher. Je veux dire que ça se calme un peu. Parce que je sais pas pourquoi je me suis fait repérer, tiens. En même temps, je sais pas pourquoi il a crocheté à la serrure tout seul aussi. Je vais attendre un peu que ça se calme. Par contre, il y a des meurtres, donc ça va pas le faire. En chasse. Non, tu vois, tu regardes pas, il y a rien là-dedans. C'est bon. Ok, donc. Là, tout le monde regarde du même côté. Donc là, il y a un mec qui s'est retourné. Donc je vais attendre que tout le monde parte un peu. Je vais aller voir ce qu'il y a à la porte. Parce que c'est la porte de là-bas. Donc là, il y a un mec qui va repasser. Non. Donc je regarde juste avec, avec la minimap. Donc je connais pas... vraiment à leur déplacement, si je peux faire ça. Ok, donc il y a un mec ici. Donc il y a un mec ici, on va attendre qu'il se casse, on va essayer de jeter la porte, parce que le mec est en train de crocheter, donc j'imagine qu'il faut faire ça. Vas-y, vas-y, casse-toi. Donc on va sortir, clac, vite fait. Ok, crocheté. C'est bon. Nickel, donc c'est passé nickel. Là, on va aller à la porte. L'approche directe n'est pas possible. Ok, donc j'imagine qu'il faut passer par un autre chemin. Donc la miroir bien lavé. Non, pas par là. Ok, par ici. Sinon, c'était obligé que ce soit un truc comme ça. Elle s'appelle Victoria. Et elle vaut un sacré paquet. Ah, Victoria, c'est la fille que je dois protéger, je crois. Ouais, parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à Hitman. Juste la dernière fois pour connaître un peu le départ. Mais voilà. Donc Victoria, je crois que c'est la fille. Ok, bah le niveau est terminé, donc ça c'est nickel. Hein. Hop, j'ai fait un bon score, je trouve. Tir instinctif, ouais. Ouais, donc je pense que j'ai fait un bon score, je suis content. Donc on va se laisser sur ce niveau. Donc je crois que ça fait pas beaucoup de temps qu'on tourne, par contre ça doit faire à peu près un quart d'heure. Donc voilà, c'est un petit épisode. J'espère plutôt que le prochain sera plus long. Donc voilà. Donc on va se laisser sur ça et moi je vous dis à la prochaine pour Far Cry 3 ou peut-être un autre épisode si bah déjà il faut que je le poste jeudi. Donc vous l'aurez demain et peut-être que vendredi bah je vais faire une autre peut-être une autre petite vidéo, je sais pas. Donc, sûrement à la prochaine sur Far Cry, ou peut-être à jeudi, à vendredi. Donc, à plus!